Tu peux arrêter de faire des éboulements aussi. Il est temps, c'est cool. Ah merde, je voulais attaquer son point faible et... S'il pouvait se mettre en posture défensive. Merde, là je l'ai redressé comme un con. Non, 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 non. Ça c'est bien aussi. Maintenant il faut que je vise encore sa tête, ça va être chiant. Il reste combien? Ah ça va. Si je pouvais avoir sa tête aussi. Pour pouvoir un peu lui briser sa garde. Qu'est-ce que... Stay focused. Voilà. Ah, flûte. Just wonderful. C'est bizarre maintenant que tu veux pas appeler tes petits copains. Ah, punaise. Wait, what in the hell just happened? Voilà, c'est bon, j'ai évité. Et là, ça le finit. Voilà. C'était certes un peu long, mais je l'ai fini. You don't know? It's a branch of the Strata military, specially trained to make. Hey, you better not underestimate. Sphère de maîtrise. Qu'est-ce que je peux avoir de faire que faire de maîtrise? Plus up. Est-ce qu'on peut avoir un artelier? Non. À part avec Jude. Maintenant, on sort, on va. Il faut que j'aille où? À Marsbourg pour aller à Risa Maxia maintenant?
Enfin, Fen Moon. Le chat est revenu, mais pour tout. Oui. Œuvre de Fen Moon, oui. J'espère que cette fois-ci ce sera l'histoire de Musée.fr parce que. Je sais pas que l'histoire des autres c'était bien, mais Musée ça fait quand même un moment qu'on l'a dans l'équipe. Hein. Je voulais juste voir où il est. Ok, pas des Tower bas. Ah oui, il est là-bas. Le prochain monstre élite est là-bas, c'est vrai. Je suis en train de réfléchir. Je sais que j'ai oublié l'Eternelia aussi. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? je vais prendre la bouffe. Et je pense qu'on va devoir utiliser le fameux sésame. Tiens, il y a un chat. Normal, pépère. Sur un, dans un bar quoi. Ah toi tu me donnes des conseils peut-être. Aux attaques de lumière et si vous en essayez avec des attaques d'autres éléments. Ok. Il attaque de tiers, il absorbe les têtes. Ok. Puis alors c'est fait. Comment. Ah oui, il y a eu aussi, j'ai pas fait. On va les faire avant de faire le chapitre. Le chapitre 11. Ah, j'aurais pas dû donner. Enfin, j'aurais pas dû prendre plutôt. Donne quoi, réveil véritable. Je sais pas c'est quoi. Voilà. Ah, aussi tout est. Ça va être long. Bon, je reprends celui-là. Je le savais. Et là, on a débloqué le 11e chapitre. This is the Department of Dimensional Affairs. We need you to return to Spirius as soon as possible. Again? You can't just order Luger around like that. Agreed. We have located the final waymarker. Do hurry. Huh? The final waymarker? Je pensais que... Come on, Luger, you gotta get moving. Je pensais qu'il savait pas où il était le dernier marqueur justement. Vera here. Do you have a free moment? I was hoping to discuss a matter of a personal nature. A private call? Well, well. When did you two get so close?
We'll step away so you can speak in peace. Please don't. I would like all of you to hear this. I understand that Nova has revealed highly personal information about me. In retaliation, I would like to divulge some of Nova's private secrets. Uh-oh, she found out! Revenge doesn't get served much colder than this. I don't know that it would be appropriate for us to hear a young lady's secrets. Je suis curieux. Mais j'ai envie de dire ne faites pas ça. Allez, juste pour le lol, on fait ça. Not a moment's hesitation, eh, Luger? This is so exciting. Let's hear it. Very well. When she was a college student, Nova fell in love with the older brother of one of her classmates. In a fleeting moment of courage, she bought him a present and went to his apartment to confess her love for him. However, the target of her affection was not home. Flustered, Nova gave the gift to his younger brother, who had answered the door, and fled without saying a word. Wait, what? As a result, the younger brother, for whom Nova had no feelings whatsoever, was left with a mistaken conviction that she had confessed her love to him. Because when it matters most, Nova's heart is every bit as cowardly as her mouth is bold. Was she talking about who I think she was talking about? Wow, two birds with one phone call. This must be what they call karma. Marketing plan, section 2. Tendencies in the naivete of Rizemaxians and how to deal with them. Luger, this isn't about deceiving anyone. It's just sound business analysis. And who knows the two countries better than I? Alors, là, le secret était très drôle quand même. Monsieur le grand frère en question, il s'agit tout simplement de... de Julius et Ludgard, en fait. En gros, elle a donné son cadeau à Ludgard. Vu la façon dont il a réagi... C'était assez drôle. Alors maintenant il faut que je trouve un bouquin, je crois. Un traité. Ah, il donne pas d'indice. Je me suis trompé, je voulais juste voir. En cours, le traité en question. Un traité du palais d'Oerba fait l'analyse du livre des six grands. Ok, archive 2. Pour aller en haut. J'ai loupé une porte. Il peut y avoir des trucs. Non, je peux te parler. Déjà, il y a un coffre. Donc, Don Tanuki. Alors, Don Tanuki. Ok, bah ça, je te le mets. Des sauveurs des Drasil. Ok. Carnage. Ok, non, c'est pas plus puissant. Gaïas 46? Ah oui, j'avais oublié ça. J'avais oublié ce petit détail. Salle de conférence, je pense qu'il y a pas grand chose. Euh,
Et la dernière. Donc je crois que c'est au-dessus alors. Armure d'argent. C'est pas des trucs que j'ai ça. Ouais si, c'est des trucs que j'ai. Hein. Et maintenant on monte en haut. Mais au moins c'est un peu plus vivant que dans le premier, je trouve, en fait. Au moins il y a des gardes, il y a des civils. On n'est pas obligé de les taper, hein. Je crois que c'est ici les salles d'archives. Là, je sais même plus, je suis à laquelle. Ah, celui-là. Là, je me retiens de tousser. Salle de conférence, il y a un truc ici. Voilà, l'archive de... Ah mais mince, je crois qu'il faut... Elvin, j'avais oublié. C'est peut-être pour ça qu'il est pas apparu en fait. Voilà. J'ai un peu vu le chat. Vraiment toutes sortes de livres chez les humains. On dirait une histoire de l'agriculture en altitude. Ah oui, c'est génial, quand on a du mal à s'endormir, tu devrais l'emprunter. J'ai trouvé le traité des 6. Qu'est-ce que c'est? Les 6 sont les 6 familles nobles de Rashugal qui se font appeler les descendants de Kresnik. Leur histoire est relatée dans un document ancien appelé le Livre des Six Grandes Maisons. C'est censé être le récit le plus exact de la séparation entre Olympias et Reza Maxia. Exactement, et ce traité corrobore cette information. Mais il affirme que tous les documents étaient perdus il y a plus de 1000 ans et que les historiens n'avaient aucune véritable récit de ce qui s'est passé. Vraiment pas, c'est logique, si quelqu'un possède de tels documents, il aurait été immédiatement mis à mort. Par moi à l'époque au passage. Ok. Mais les preuves d'origine et le schisme dataient d'avant ça, non? C'était il y a à peu près 2000 ans, ouais. Oui, mais c'est l'épreuve d'origine qui est la plus ancienne, où on n'a toujours pas... Le Maxwell d'origine a participé à sa création. Mais après la création de l'épreuve, Maxwell a exigé le schisme et séparé les mondes en les deux mondes. Du coup, plusieurs lalons de Gananan se sont retrouvés isolés à Reza Maxia. On rendu les plus... Ok.
mais je ne sais pas à quel point c'était voulu. Fallait d'abord trouver la dimension paradoxale où le chien n'existait pas. Ce n'était plus nécessaire. Ensuite, le garde a obtenu la clé de Grasny et tout ce qu'il fallait pour réussir l'épreuve d'origine était en place. Tout ça serait une coïncidence. Une seconde, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Vas-y, lis. Le livre d'Alpha, les héritiers de la volonté. Nous qui suivons Maxwell, seigneur des esprits, sommes les véritables héritiers de la volonté de Krasnik. La malédiction du temps et de l'espace ne saurait nous nuire et nous refusons de nous soumettre à une loi inepte. Notre âme est immortelle, les éléments qui lui rendront sa véritable forme. Le cycle est éternel et ne peut être défait. Tout ce qui se trouve sous les cieux, sur terre, dans tout l'univers. What? Un refus de l'épreuve d'origine de la part de ceux que Maxwell a enfermés à Rhythmaxia. Ok. Ils disent que l'épreuve d'origine n'a aucune influence sur Rhythmaxia. Ouais, Canon origine, ouais. Ah, d'accord, c'est Maxwell qui se chargeait de l'épreuve. Un paradis dit pour toute l'éternité. Comment ça, c'est pas une coïncidence? Ok, on a appris un peu les trucs. C'était un peu bizarre, on va dire, mais spécial. Oh, quel endroit là? Non, ça doit être au musée. Tu vas attendre. Ça doit être. C'est pas ici. Je pense pas que ça soit le centre de recherche. Si. Ah, j'ai cru que c'était un chat, mais non. Y'a pas un chat ici? Non. Il est pas assez stupide pour y aller. C'est le centre de recherche. Ouais, c'est bien ça, c'est le centre de recherche qui me manquait. Donc, on va pas aller au Bourbier pour aller au Marais, hein. On va aller directement à la grande route. Et je me suis dit aussi. Il y avait un truc qui clochait. Et j'ai surtout oublié le précieux sésame. Que sont ces objets? Ok, j'ai plus rien.
Là, je peux rien faire. Qu'est-ce que... Les lames vent. Ça a augmenté. Ok. Maelstrom. Ok. Ok. Ah, il y a une nouvelle arme pour muser, enfin. Casque de feu, béret. Oh ben le casque de feu, hein. Enfin le béret. Oh, ça défend. Ultra. J'ai à peu près tout, mais pourquoi je peux l'avoir en 3 exemplaires là? Il faut un ultra et un 9, ok. Mais là j'ai tout. Je crois qu'on va faire les deux quand on aura l'argent. Ben maintenant on retourne à la grande route. Grande route, s'il te plaît. Merci. On sauvegarde et on est parti pour aller chercher un monstre élite. Mais je me souviens pas de son nom. It must be great being able to fly like that. It looks like so much fun. It is quite fun. Every now and then. Où est-ce qu'il pourrait être? It strikes me. I even do a little loop-the-loop. Par là. De toute façon, on va pas prendre les objets qui sont ici. Ouais. Hop. De toute façon, il nous reste 3 des monstres élites et un chapitre, et on pourra passer au prochain chapitre. Mais je pense que les quêtes qu'on devait faire ce chapitre-là, on les fera plus tard. D'accord, j'ai foiré. Hop, 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 hop. Le scorpion, tu te calmes. Et toi aussi, tu te calmes. Ok, vous m'avez bien énervé. Est-ce que ça va éliminer les deux autres? Je pense pas. Ah, il y en a un qui survit. Donc, ça me va. Ok, t'as ça. You okay? Mida 45 ou 44, je sais même plus. 45. Ah, il est là. C'est un coup de bol là.
Vaut mieux que je m'occupe de vous. Allez. Non. You owe me. You owe me. Voilà, au moins lui il sera KO. Ça a touché les trois? Non. Je me disais que ça avait pas touché les trois. Voilà. 46. Potable. Allez, viens te dire bonjour toi. Lumière. Il est résiste. Ah, c'est chiant. Il résiste. Mission commencée avec ça. Voilà. Oh, et lui il est déjà à 300 quoi. Il m'a déjà mis KO. J'aurais peut-être dû le faire en normal. Leave it to me. Je vais voir la destruction des arcanes. Leave it to me. Good work. We need to do our best. J'ai foiré. Bon ben. On va le faire au nom.